Donner un show de malade, vous êtes dans le confinement chaud, c'est comme ça que ça se passe tous les jours, mesdames et messieurs, à partir de 18h. Vous êtes aujourd'hui avec Fish Killer, le groupe SC Killers. Donc, tout à l'heure, c'est le live de l'enfant de Cameroun qui est aujourd'hui une des figures emblématiques de la musique urbaine. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Paris, des États-Unis, du Cameroun, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, on vous prie de partager au maximum ce direct parce que c'est le moment de passion. Et c'est parti avec Fish Killer. Tu t'appelles, je viens par là, quoi, parce qu'il y a un caméraman.
Oh,
bon et c'est yo. Thank you. Yo et c'est nana, c'est le gars dans le pied pour le Guinée. Thank you. What? You had a comb. You emptied out on my body too. Assez, regardez mon frère. Allez,
On va continuer jusqu'au bout. C'est le même game. Tu es la même équipe. La même équipe. Les mêmes vibes. C'est la famille. On va bien. Tu ferais quelques espaces. Tu ferais quelques espaces. Tu vois ma shop. On est ensemble. Bon, c'est le son. Let's go. Hey, on filme mon show. Ça se passe ici, avec une épaule. Albi, Wagon. Vous avez le choco.
David, juste à côté de moi. R&B, soul, zouk, afrobeat, tout terrain. Derrière, lui c'est Black Attack, que j'appelle Bazooka. Bazooka, Black Attack, Ready Band. Ragamuffin, full, dancehall, pur. Et lui c'est Bébé Haïké. Ils m'ont envoyé. Merci les gars pour le gâteau. Les gars, on coupe ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Voilà. Merci, merci, KGP. Non,
Over the walls, we're money ready. See, baby, now you know. We'll be right back.
pardon, tellement que je suis chaud. J'ai fait jar. Mais ce soir, on va pas le chanter. Le morceau qui vient, ça s'appelle Ah bon. On donne ça. Mais où du premier Nyangama idée. Attention.
message. Wow. Alors, mesdames et messieurs, vous qui êtes dans le profil motion, vous nous suivez en direct de Conakry au studio Unipro d'aujourd'hui. Alors, vous qui êtes chez vous, on vous prie, mesdames et messieurs, de respecter les gestes barrières de propagation du virus. Vous avez vu, toutes les personnes qui sont ici, chacun a son masque. Tout le monde a été flashé, température prise, les mains désinfectées avant d'avoir l'accès ici. Ok? Et c'est un nombre vraiment limite de personnes, minimum 10 personnes pour pouvoir vous donner du plaisir. Vous qui êtes du côté de Paris, des États-Unis, de Conakry, un peu partout dans les quartiers. Nous savons que nous sommes dans une période de Covid-19. Alors on profite de l'occasion, nous, les artistes de Guinée, pour vous donner du plaisir à travers ce confinement chaud que nous vous livrons tous les soirs à partir de 18h. On reçoit un artiste et aujourd'hui on reçoit une des sommités de la musique urbaine qui n'est plus à présenter au monde mondial. Vous avez vu aujourd'hui comment ça se passe, il est en live dans les studios Oudi Live ici. Et demain, ça sera quelqu'un d'autre et c'est comme si, ainsi de suite, nous allons essayer de passer de bons moments de confinement avec vous. Et nous profitons de l'occasion justement pour présenter nos condoléances à toutes les familles attristées, à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers durant cette période de pandémie. Alors on prie pour le repos de leur âme. Et quant à nous, nous sommes ici, on va continuer encore avec les filles là. On va laisser un petit temps de respirer encore. Il va respirer, on va lui poser 2-3 questions. Envoyez-moi jusque là. Oui. Époustouflant. Ok. Époustouflant. En tout cas, un spectacle dingue. On ne s'attendait pas. Les musiciens, on est en train de parler. Hein? Voilà. Petite pause, hein? Respirez un peu. Les gars, allez faire un tour. Ça permet de tous ces fonds du monde entier. Je pense que c'est l'une des plus belles manières de fêter l'anniversaire d'un artiste aujourd'hui. On a eu la présence de Azaya aussi qui est venu apporter son soutien avec un gâteau d'anniversaire. Ouais. À son nom et au nom de son épouse qui n'a pas pu aussi nous rejoindre ici dans ce studio. Ouais. En tout cas, merci à tous ces artistes qui nous soutiennent. Merci à l'unité, à l'union de tous les artistes guinéens aujourd'hui. On est là pour fêter tes un an de plus, Fichila. C'était un plaisir. En tout cas, tu as déchiré, tu es un artiste complet. On te souhaite beaucoup de réussite. On te souhaite beaucoup de chance. Et moi, je suis convaincu que tu iras très très loin parce que tu aimes ce que tu fais. Et aujourd'hui, tu es en train de nous rendre fiers de toi parce que là, tu viens d'offrir un live digne de nom. En tout cas, c'est l'occasion de dire un coucou à notre frère Lil Sako qui nous suit depuis Paris. Je vois ses commentaires. Il nous suit en direct là. Il est vraiment chaud. Shaolin Shocker and Eightman, Calabrese them. Mon gars, on est là, de cœur, avec toi. Toi, tu connais, ça bouge pas, Aïké forever. Voilà. Le grand frère, Oudi premier, on essaye de mettre les gens bien, presque c'est normal. Voilà. C'est le confinement chaud. C'est le confinement chaud, et aussi, c'est l'occasion de saluer aussi Brice, qui est le directeur marketing d'une grande société de la place qu'on appelle Sauvagui, qui est là, Brice, là, qui est toujours à la disposition de tous les artistes et aussi de la culture avec la boisson XXL qui nous accompagne aujourd'hui pour le confinement chaud. Merci, en tout cas, merci, bientôt merci. Partenaire de tous les artistes. En tout cas, on est en train de se battre pour pouvoir offrir l'opportunité à cette culture guinéenne aujourd'hui d'émerger, ou pourquoi pas pour les artistes de signer des gros contrats. C'est des choses que nous sommes en train d'étudier avec Brice, qui est aussi très proche de la culture et qui comprend aussi ce que nous vivons, qui est là pour accompagner toutes les bonnes initiatives. Et d'ailleurs, je pense qu'il sera sur l'événement de Instinct Killers parce que c'est un groupe qu'il apprécie beaucoup. Merci. Alors, merci à Brice, il est là, il est là aujourd'hui. Il a tenu à être là pour fêter ton anniversaire aussi, assister. Voilà, alors, puisqu'il a gros live, ce soir, gros live dans le studio Oudi Prod. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que c'est ta date d'anniversaire. Et aujourd'hui, tu offres ce que tu as de plus cher, qui est ta voix, ton talent, ton métier que tu aimes tant. À ce public qui te suit, c'est des gens qui sont de l'autre côté du monde entier qui nous suivent dans le confinement chaud, et sans oublier tes millions de fans aussi à travers la Guinée qui n'ont pas pu aujourd'hui te voir parce que nous sommes dans la période de Covid-19 pour oublier. Et c'est l'occasion d'ailleurs de lancer un message de sensibilisation à toutes ces personnes qui nous suivent à travers le monde, de respecter les gestes barrières, le port de masque quand vous sortez, lavez-vous les mains plusieurs fois, restez confinés chez vous parce qu'en ce moment il n'y a ni concert, ni regroupement. Donc on se permet d'organiser ce genre de rencontres juste pour vous, pour votre plaisir. Maintenant, on va passer aux questionnaires, les questions qui brûlent. Okay. Le temps pour toi de respirer un peu, après on reprend en live et on va boucler, ok? Donc il y a des questions que mon assistant technique, Zizou, il y a. Ouais. Et il est toujours là, assistant Oudi premier, il est là. Donc il va lire les questions. Zizou, ton micro. Okay. On va lui donner son micro parce que c'est sa spécialité aussi. Il aime les points.
On t'a pas dit de mettre la caméra sur toi. On dit juste de... voilà. On t'a pas dit de mettre la caméra sur toi. On dit que... Il prend les points. Voilà, lis le message. Bon, on dit... Il y a d'ailleurs une salle. Donc tout ça, c'est les polémiques, c'est les... Alban Lézard, S5Killer, c'est la famille, c'est la musique d'un qui gagne. Connais les artistes. Alors, deuxième question, Zizo, rapidement. Salut Fishkila, il y a beaucoup de personnes qui te souhaitent joyeux anniversaire, qui t'encouragent. Il y a peut-être la biche qui dit Fishkila, quand je pense à toi, mon cerveau sort de ma tête et revient. Waouh! Joyeux anniversaire. Merci. Voilà. Ça fait battre le cœur. Merci énormément. Bon, je vais dire aussi avec toi hein, parce ouais, que ouais, il aime lire les messages de Go. Non, Vas-y. Fiche que mon amour pour toi, tu gagnes que ça vous trouvez là. Ah ouais. C'est arrivé là-bas. Merci beaucoup. Merci. C'est arrivé là-bas. Ok. Fiche que la pourquoi tu n'es pas venu avec garantie. Il faut garder son gâteau, hein. Ouais, le gras, il sera là une prochaine fois. Il y a toujours pu être la biche qui dit Fiskila, je t'aime comme la lune aime le ciel. C'est qui ça? Binette la biche. Waouh, merci beaucoup, merci. Binette, on est ensemble. Bon, il y a Balise Touré qui dit Fiskila, depuis que tu as commencé à chanter, tu as fait beaucoup de projets. Si j'ai fait beaucoup de progrès. Le projet, projet. Des projets comme... Les projets réalisés depuis que tu as commencé la musique. Ouais, là on est sur des projets, là on a pas mal de trucs cachés, mais on va pas s'afficher vraiment comme. Genre, quoi, tu sais, il y en a qui vont penser que ouais, les gars là ils se la racontent, ils veulent les montrer, tu vois. Mais des fois, on a des petits bails que les gens ils connaissent, ils savent déjà. Et, tu vois, il y a des bails qu'on fait, il y a des projets. Ok, il y a cet autre qui dit j'aimerais savoir pourquoi le sacre n'est pas là. C'est Chef Talib ici là qui nous pose la question. Le sacre, il est parti en France avec sa femme et son enfant pour régler certains trucs là-bas. Ok. Donc il y a beaucoup de messages, Gérald. Joyeux anniversaire. Voilà, il y a Maman Didaora, il y a Chérie Baïdara. Le nom de votre compassion qui leur signifie quoi? Instinct killer, c'est l'impulsion naturelle qui tue. Maintenant, tu es avec les vibes, le style, la musique, la danse, les bêtes de scène, en gros. Ok. Donc, il y a le perturbateur de Paris, François Grabin, qui dit que c'est le meilleur show confinement depuis que ça a commencé. Wow. Des félicitations pour assurer que c'est les joyeux anniversaires à toi. Merci. Et également, Alpha Moussama Kadiabi qui te dit bonsoir. Bonsoir. Pourquoi le nom Hitman? Laé, boum, Charles te pose la question. Pourquoi le nom Hitman? Le nom Hitman. C'est durant toutes ces années, on faisait que des tubes. Donc, on a dépassé le niveau des tubes. Et là, c'est des hits qu'on fait. C'est un faiseur de hits qu'on appelle Hitman. Ok. Donc, voilà pour la question. Alors, Sam Kaba qui dit, lors de votre prestation au mariage de votre binôme, vous avez déclaré être en couple. Quel est le nom de votre femme et c'est quand le mariage? Ça reste un mystère. Voilà, donc, elle est dans l'ombre, elle n'aime pas. Tu sais, nos femmes auront des problèmes. Parce que voilà, il faut savoir que c'est compliqué. Elles ont des menaces. Donc il faut faire mollo les choses. Donc, je pense que le temps viendra pour les gens. Et ça ne sera pas longtemps de connaître la princesse de Ayanaï, Maître Hitman. Ok, alors il y a Aïssata Mounir qui nous suit depuis New York, qui nous dit quels sont tes rêves pour la nouvelle génération et qu'est-ce que tu aimes faire pour te relaxer? Déjà, mon rêve pour la nouvelle génération, c'est déjà de venir trouver les anciens dans des bons projets qui pourront les aider aussi, parce que si nous, à la base, si on n'est pas vraiment si on n'a pas les moyens d'aider ces jeunes, ça sera comme ça pareil. Donc il faut que vraiment les grands soient à la mesure d'aider les jeunes. C'est pourquoi déjà Oudi a fait ici.
il y a une salle de danse, il y a une salle de répète, il y a un studio. Déjà ça c'est un bon atout pour les petits qui vont venir après, qui sont déjà là, qui se cherchent, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'enregistrer un son pour certains jeunes. Un produit fini, ça coûte 1 million, 2 millions, donc c'est pas évident pour eux. Si ça trouve que les grands qui ont déjà tant fait pour ce pays, ils sont bien, ils pourront aider les jeunes. Il faut qu'on donne les mains pour s'entraider. Et on rêve grand pour les petits qui arrivent. Super. Qui est ton idole musicale? C'est une question de Laïbou Charon. Qui est ton idole? Mon idole, ça dépend. Aux États-Unis, j'ai Usher, que j'ai beaucoup aimé. Au jour d'aujourd'hui, en France, j'aime bien Maître Gims. J'aime bien ce que Maître Gims fait parce qu'il fait de la variété. Usher aux côtés des States et en France Maître Gims. Donc j'écoute pas mal de gars aussi que j'aime bien. Ok. Alors on dit, je demande ici, es-tu amoureux puisqu'il est là? Ouais, j'ai un cœur. Ok, donc. Mais je suis un amoureux de la musique. Ok, en tout cas, beaucoup de messages. Hickman, beaucoup de gens disent aujourd'hui c'est le meilleur confinement depuis le début. Il y a ah ouais, de gens, oui, tu as beaucoup de messages. Les gens valident que c'est le meilleur confinement. Wow. On dit merci à Oudi pour ça. Merci, merci. Et c'est le meilleur confinement et pour Azaya. Donc on dit c'est pour toi et pour Azaya. Beaucoup de messages. Mariam Samara qui dit Hickman, joyeux anniversaire à toi, mais dis-nous, merci. Si tu te maries quand, s'il te plaît, j'ai hâte de voir. La future forme de notre Hitman. Alors, Kondé Amara qui dit la société soit doux pêche, c'est réellement pour toi? Ouais, c'est réellement pour moi. Comme on le dit souvent, il faut faire les choses mollo. Il faut vivre caché aussi. Ouais. On ne va pas trop se montrer. C'est clair. On va donner le temps au temps. Et le temps nous dira. Ouais. Et la deuxième question, c'était quoi? Deuxième question, c'était de faire vite pour te marier. Parce que me marier. Ouais, ils ont hâte de voir. Non. Beaucoup de messages, mais souvent c'est les mêmes questions que tu as déjà répondu. Ouais, donc, j'ai zappé. Et puis voilà. On a déjà répondu. Bon, on dit quelle est ta relation avec Gianni Alpha? Ça, c'est El Maestro Di Beni qui te pose la question. Avec Gianni? Ouais. C'est juste que ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, sinon ça va. Okay. Ouais. Camara Yula qui demande pourquoi n'est pas signé avec une maison de mix internationale comme Soul Max. Comme? Comme Soul Max. Bon, voilà, chacun a ses projets, je pense. Soul Max, il est signé chez Sony, c'est bien, c'est un bon truc pour toute la Guinée, pour tous les chanteurs guinéens. Mais avec le temps, on ne sait jamais. Peut-être on va signer quelque part ou voilà, Oudi va nous signer. Inch'Allah, pourquoi pas. Voilà. Parce donc, que là c'est une vraie maison là. Ouais, c'est ça aussi. Oui. Oudi pour une maison, c'est pour toute la jeunesse. On va commencer la production, comme je sais voir. On se disait qu'il fallait qu'on aussi on apporte quelque chose à la culture guinéenne, parce que c'est vrai que tout le temps, on se plaint que l'État ne fait rien pour nous, même si nous-mêmes on se concentre et qu'on on essaie de bâtir quelque chose pour aider le petit frère, pour essayer d'ouvrir encore la culture. En tout cas, se donner les moyens de pouvoir travailler ici, de ne pas aller au Sénégal ou encore du Côte en France pour travailler. C'était ça l'objectif. Et aussi, c'est un centre culturel qui est ouvert à toute personne, c'est énorme, à tous les artistes. En tout cas, puisqu'il a, on était très heureux de t'avoir dans le confinement show. Aujourd'hui, c'est chaud. Beaucoup de questions. Beaucoup de personnes qui te souhaitent joyeux anniversaire. Merci. Le téléphone il est déchargé, on va le Zizou, tu vas prendre le relais. Également Jack Keita qui te souhaite joyeux anniversaire. Tout à l'heure, j'ai transmis aussi le message du grand frère KPC qui fait beaucoup pour la jeunesse, qui nous souhaite joyeux anniversaire. C'est notre papa. Donc on t'a donné le temps de prendre un peu de temps parce que tu étais chaud. C'était chaud bouillant. En tout cas, le live, super. En tout cas. Un plaisir pour moi de te retrouver. Et alors, quels sont les projets du groupe 5 Works? Nos projets futurs,
et quel a été l'impact justement du Covid-19 sur les concerts que vous avez en vue pour faire plaisir à vos fans du côté de Conakry avec la venue d'ailleurs de Pato Raki qui était prévu. Ouais, ça a été cancellé. Ouais. Alors, quel a été cet impact sur le groupe Saint-Kilos? Ça a grave joué, hein. Parce que voilà, c'était le concert. Le concert il était grave attendu, tu vois. La jeunesse vraiment était motivée pour ce concert. Mais hélas, c'est Dieu qui décide les choses. Et ça a joué sur nous, hein, on l'avoue, parce qu'on a mis de l'argent dedans. Après, ça a été cancellé. Mais on tient le coup, on s'accroche, le projet, ça tient toujours. Même là, la dernière fois, le jour de son anniversaire, il parlait de ça, qu'il était chaud pour venir déchirer Conakry, tu vois. Il est chaud, mais on attend juste le bon moment. Ben, on sait que c'est que partie remise parce que nous savons aussi qu'apparemment il y a une disposition qui a été prise du côté du ministère pour pouvoir justement essayer de dédommager certaines maisons de production. En tout cas, c'est en très bonne voie. Je pense que vraiment ça va être rapidement fait parce que nous, les acteurs culturels, on a pris un gros coup. Moi, j'étais sur la ligne de la Guinée à une soirée sur le Mal du Rire, 25 heures sans concert. Donc, je pense que le secteur culturel, nous qui n'avons pas d'autres activités à part les concerts, par exemple, pour pouvoir souvenir nos besoins, on est dans une période où on ne peut pas faire de concerts, on ne peut pas relier des gens, nos fans, pour pouvoir échanger avec eux. C'est vrai que c'est très, très dur pour certains qui n'ont pas d'autres sources de revenus que la musique. Donc, ça va vraiment, tant que le gouvernement pense à tous ces artistes aujourd'hui qui sont dans des situations très, très difficiles parce qu'on a perdu beaucoup d'argent. Hein, beaucoup. Beaucoup d'argent. Et j'espère que les dispositions ont été prises de toute façon du niveau du gouvernement pour pouvoir accompagner tous les acteurs culturels et aussi d'autres secteurs qui sont touchés par le Covid-19. Je pense que c'est une question de temps maintenant parce que nous avons suivi par le canal de Al Soirée et aussi à Blame By du groupe FG First Street. C'est un cours là. Qui ont pris le devant quand moi j'étais dans les grandes gueules pour pouvoir faire un mémorandum où on a récolté, où on a fait la liste de tous les acteurs culturels qui ont perdu beaucoup d'argent dû au Covid-19. On a fait une liste qu'on a envoyée au ministère à la primature. La liste a été validée. Donc je pense que dans les jours à venir, certains acteurs culturels vont avoir quand même droit à un dédommagement de l'État pour accompagner ces acteurs culturels. En tout cas, puisque là, voilà, je ne sais pas si nous avons oublié de poser certaines questions sur la tournée. Une tournée est prévue pour l'international, parce qu'on sait aussi que vous avez beaucoup de fans à travers les États-Unis, en Europe, qui aimeraient vous voir juste après le confinement dans une tournée en Europe. Alors, quels sont vos projets? Quels sont vos projets de tournée? Ou vous restez encore ici pour réaliser d'autres clips et aussi préparer la sortie de votre album au niveau de Conakry? On a pas mal de projets en cours. Désolé, je n'étais pas là. Il faut me reposer. Donc je disais, après le confinement, on sait que tout s'est fait. La tournée. Voilà, la tournée. Ouais, il y avait une tournée prévue, oui. Ça a été cancellé aussi comme le concert de Pato. Okay. Parce que juste après ça, on avait une tournée comme chaque été. On a des tournées en Europe, un peu partout en Afrique, mais au Sénégal, on avait un truc même prévu en Côte d'Ivoire, parce qu'on n'est jamais parti en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est tout près, mais on n'est jamais allé. Okay. On a été souvent à Dakar, au Sénégal, oui, pareil. Ou encore Gambie, ou quoi. En Sierra Leone, ouais. On n'a pas été encore au Mali. Okay. Donc notre manager il avait calé pas mal de dates en Afrique et en Europe. Mais là avec tout ce qui se passe dans le monde, là tout est bloqué. Et pour le moment on profite du confinement pour travailler, faire assez de sons et assez de clips. Parce que là on a un artiste aussi qu'on doit sortir bientôt, Spike, après le confinement. Okay. C'est un artiste de notre label. Il faisait partie de KGB, mais les gars qui étaient là. Oh, ouais. Que j'essaie de propulser avec mon ami Sago et notre manager. On est sur l'album de Spike. Et nous, chaque jour, comme d'habitude, tu connais la maison. Le studio, c'est la partie préférée de la maison. Alors, puisque là, quand on sait que, en tant qu'artiste, souvent,
On peut faire un son, on peut croire que ce son-là, c'est le meilleur des sons que nous avons. Et après, le public a un autre regard sur ce qu'on fait, par exemple. Si. Quand tu vois, par exemple, un son sur lequel tu te concentres, tu te dis, ça, c'est une tuerie, le public peut ne pas kiffer. Et toi, tu te dis, ce son-là, c'est un son, je veux me débarrasser. Je veux faire ça pour m'amuser, c'est un hit, c'est comme ça. Alors toi, pour toi, quel est pour toi ton meilleur hit? Quelle est ta chanson qui te donne des frissons, hein? Pour toi, ta meilleure chanson, c'est laquelle? Ma meilleure chanson, peut-être, moi je dirais c'est des oui. Des oui, ok, d'accord. Alors, puisque là je pense qu'on est à terme, les internautes, vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous suivre sur le confinement show ici même. Vous avez eu aujourd'hui droit à un talent pur, 100% guinéen, un jeune de Cameroun qui a explosé ici avec un groupe urbain qu'on appelle S5. Ils savent tout faire, ils savent danser. Et j'ai toujours dit que si ces jeunes-là avaient un accompagnement, ils avaient des gros moyens, je pense qu'ils peuvent amener très très loin le Rouge Jeune Bleu, surtout qu'avec les maigres moyens qu'ils ont, ils essaient de joindre les deux bouts, aller faire des featuring, ainsi de suite. Vous, public de Guinée, ce qu'on vous demande, c'est de partager, c'est de supporter les musiciens guinéens, parce que c'est important votre support. Le support, c'est ce qui vous permet de faire en sorte que les artistes guinéens puissent se vendre à l'international, c'est d'accepter de partager les clips, de follow sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, le streaming, c'est ce qui compte aux yeux du monde entier. Parce que quand tu arrives, tu veux faire un featuring, la première des choses qu'on regarde, c'est le nombre de vues que tu as, c'est le nombre de personnes qui te follow sur les réseaux sociaux, pour que tu puisses montrer à celui avec qui tu veux faire un featuring que oui, ça vaut la peine. Donc, le public, on a besoin de vous, que vous soyez aux États-Unis, un peu partout. Ça ne vous coûte rien d'acheter les sons des DJ, des artistes guinéens, ça coûte 1 euro, ça coûte 99 centimes. Allez-y sur iTunes, streamer les artistes guinéens. C'est comme ça que vous pouvez nous rendre. En tout cas, nous, dans le confinement, on était très heureux de te recevoir. Si encore tu as des sons à jouer, l'orchestre est là. Ouais. Ta compagnie est encore de ta soif. Ta soif de. J'ai soif de là. Passer. Alors voilà, Fiskil, en tout cas, nous, on va te laisser t'exprimer en musique. Et encore une fois, c'est l'occasion de dire merci à la boisson XXL qui nous accompagne. On a une boisson XXL. Cette boisson qui nous donne l'énergie. Représente aujourd'hui le boisson directeur général qui est là. En tout cas. On s'agère avec ça, moi je vois ça, je suis en forme et vous avez vu, dans le confinement chaud, c'est comme ça. Yes. Alors on va laisser puisqu'il a les musiciens vont s'installer très rapidement et puis on va partir en musique et après on va se dire bye bye dans le confinement chaud. J'espère que vous avez kiffé et c'est très simple, envoyez-moi des messages pour le prochain artiste que vous voulez voir dans le confinement chaud. Là, demain on sera en repos et mercredi je reçois Lama Sidibé en live ici même dans le studio Oudi Prod. Ça sera Lama Sidibé, donc soyez connectés mercredi à partir de 18h, on sera là. En tout cas, merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde entier. Merci du fond du cœur. Je suis très heureux de vous recevoir dans le confinement show tous les jours à partir de 18h, heure de Conakry, 20h de Paris. Merci du fond du cœur. On est ensemble et les musiciens vont s'installer et on repart en musique avec votre artiste invité de ce soir, Fiskil, à qui encore une fois de suite, une fois de plus, on souhaite joyeux anniversaire. Merci mon grand frère, merci à tous. On dit premier. Yes, confinement chaud. Jamais vu dans l'espace. Avec Hitman. Oh,
We'll be right back.
Thank you.
Queen.